Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Tales of Kenzora. Il y a sur ce jeu 3 zones de combat particulièrement difficiles. En récompense, vous obtiendrez des éléments super intéressants pour votre progression tels que des emplacements de bibelots que vous n'obtiendrez qu'ici, des segments d'esprit qui vous permettront de vous soigner plus souvent et d'utiliser les super compétences aussi. Vous obtiendrez également un point de chaman supplémentaire, c'est-à-dire un niveau de plus pour vos compétences. Afin de pimenter le tout, nous allons voir les combats ici dans la difficulté de jeu la plus haute. Vous pourrez vous en servir d'exemple d'approche pour vous si vous souhaitez récupérer ces fameuses récompenses. À présent, voyons la suite ensemble. Ici, vous allez pouvoir faire ce que l'on appelle un rituel d'esprit. Vous allez avoir 3 vagues et demie. Vous pouvez les faire une par une et à chacune d'entre elles, vous allez obtenir une récompense. Chaque vague sera de plus en plus dure et les récompenses sont bien entendu de plus en plus intéressantes. Pour vraiment me mettre dans les pires conditions possibles, je me suis mis dans le mode de difficulté le plus haut ici. Donc vous allez voir un petit peu ce que ça donne dans une difficulté très importante, si cela peut vous permettre de vous aider. Comme je ne suis pas sûr de réussir du premier coup, je garderai uniquement les séquences réussies.
Et voilà, la première étape achevée. À présent, la deuxième étape, elle sera encore plus difficile.
Et voilà. Épreuve réussie.
Et voilà, la dernière épreuve. Je ne cache pas que ça a été long et difficile. Ici, aux grandes falaises, se trouve le rituel d'esprit. Il s'agit de trois épreuves de plus en plus difficiles. C'est vraiment des épreuves pas évidentes, mais qui vous donneront des récompenses très intéressantes. C'est pour ça qu'on va le faire. Et moi, ici, je vais me mettre dans la difficulté la plus haute. C'est-à-dire que, voilà, je me mets dans la difficulté la plus exigeante. Aussi, il n'est pas sûr que je réussisse à chaque fois, donc je conserverai uniquement les séquences réussies. C'est parti! Et voilà, épreuve réussie. À présent, la seconde épreuve.
Et voilà. Terminé la deuxième épreuve. Oh purée, que c'est chaud. C'était tellement dur que j'ai peur pour la suivante en vrai. Étant donné que dans la difficulté la plus haute, je n'arrivais pas à faire ce dernier défi. J'ai été un petit peu plus loin dans le jeu pour aller chercher, je crois bien, la dernière compétence. Normalement, ça devrait aller. Et j'ai également un peu plus de niveau. Voilà, donc on voit bien qu'en fin de compte, avec autant de dispositions vraiment au maximum, bah cette épreuve-là finalement n'était pas si dure que ça. On va s'attaquer ici, en ce lieu, le rituel d'esprit, on va le faire dans le mode encore une fois le plus difficile. Je vais être honnête, je suis même pas sûr de réussir tellement c'est dur, il est exigeante. Voilà, donc comme je suis pas sûr de réussir, je conserverai que les séquences réussies si jamais j'y arrive. C'est parti! La première partie, dans un premier temps, les pas d'un apprenti sur un chemin périlleux. Il se voit ça.
Voilà, bah en vrai, vous savez quoi, j'ai pas trouvé ça si dur que ça en réalité. L'épreuve était pas insurmontable, et c'est validé. Et en plus de ça, on obtient un emplacement de bibelot supplémentaire. Ça veut dire qu'avant l'épreuve suivante, rien ne nous empêche de nous rajouter une option qui nous permettra par exemple de mieux tanker. Voyez, celui-ci par exemple, qui me permettra de mieux résister au corps à corps, bah justement, je vais l'ajouter tout à fait en bas. Donc, meilleure résistance au corps à corps, meilleure résistance aux dégâts de projectiles, plus de quantité d'esprit, ce qui permettra de mieux pouvoir se régénérer, et également lorsque je subis des dégâts. Donc, dans tous les cas que je mets des dégâts où j'en subisse, j'ai plus d'esprit, ce qui me permettra de mieux me régénérer. Pour l'épreuve Nganga, l'épreuve d'introspection d'un compagnon, pareil, je suis pas sûr de la réussir du premier coup, parce que là, on est quand même sur l'épreuve les plus difficiles. Donc, j'ai full bibelot ainsi que la santé au maximum, pratiquement tout au max, donc advienne que pourra, je conserverai la séquence réussie.
Alors j'ai trouvé que la deuxième épreuve était quand même bien plus dure que la première, mais pas pour autant insurmontable. Et on obtient grâce à ceci un segment d'esprit supplémentaire. Donc on pourra se régénérer encore plus de vie. Encore faut-il monter jusqu'en haut, bien sûr. Je vous cache pas que la dernière, Gobela, le défi ultime du maître chaman, sera carrément, enfin, moi je pense, vraiment galérer dessus, elle sera très très dure, voire même presque insurmontable, à cause du fait qu'il y aura je sais pas combien d'éléments, d'ennemis, enfin en tout genre, ça va être... Je vais utiliser à peu près la même approche pour les combattre, je sais pas si je vais y arriver, je conserverai la séquence réussie.
Ok, et eh ben écoutez, franchement, beaucoup plus facile que ce que j'imaginais. Il s'avère qu'avec la dernière compétence, rien n'est insurmontable. Et puis avec les écrasements cheatés, en soi, juste en utilisant ces deux compétences-là et en attaquant un petit peu de temps en temps, ça passe crème, hein. Alors que pourtant, je suis dans le mode de difficulté le plus haut. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été profitable. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye!